Salut à tous, c'est Aline, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous nous retrouvons pour les customs de Noël. Voilà, donc pas mal de monde ont customisé du coup eh bien, leur voiture en mode Noël. Salut toi, hop, tu vas tomber, voilà, il va tomber. Donc du coup, je vais noter vos véhicules, choisir mon préféré, forcément il va y avoir un gagnant dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à choisir votre numéro entre le 1 et le 8. Donc, il y aura 8 véhicules, pardon. Donc vous choisirez votre préféré à vous. Et moi j'aurai mon préféré à moi. Et donc on verra qui aura si on aura le même véhicule ou pas, si on aura choisi le même et tout. Donc on va commencer par le premier les gars. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et le premier c'est Records. Records. You can come. Ah oui. Alors c'est tenu avec forcément le véhicule qui va avec quoi. Ok. Alors donc on va bien regarder parce que c'est vrai que des fois c'est un peu chiant. Bon, je vais prendre mon petit sucre d'orgue. Alors donc c'est quoi comme véhicule? C'est la... Alors attends, j'ai oublié son prénom celui-là. C'est quoi comme véhicule celui-là? Je me rappelle plus les gars. Record. C'est le... Attendez, je vais monter dedans. Je sais plus le nom. Là, le burrito. Ok, donc le petit burrito, donc véhicule rouge et blanc. Donc on retrouve pareil le rouge et blanc sur la tenue de Noël. Attendez, j'ai bien regardé. Et il a mis aussi des lunettes. Ah, il a mis des lunettes de soleil. Enfin, de soleil. Pas de lunettes de soleil, c'est des lunettes de vue. Rouge. Pareil, rouge. Rouge avec un peu de jaune. Il y a un peu de jaune. Est-ce qu'il y a du jaune dans son véhicule? Ouais, il a mis la plaque en jaune. Ok, donc ça va, on retrouve un peu de jaune, mais pas dans la custom en soi. Ok, donc on a les jantes aussi qui sont blanches, les chaussures sont blanches, forcément, jantes égale chaussures. Ok, eh bien, Records, merci à toi, on va passer au prochain. Donc Records, c'est le numéro 1, donc retenez bien si jamais vous voulez voter pour lui. Donc, de toute façon, vous votez à la fin. Giuliano, à ton tour. Ah oui. Giuliano qui a la musique qui va avec les gars. On va se la... Attends, mets-nous voir un petit coup de musique là. Après on y va. C'est bon. Ok, alors il a choisi le Père Noël en tenue avec le sucre d'orgue. Forcément, d'orgue ou d'or, je sais plus comment ça se prononce, mais en tout cas, c'est pas grave. Alors, on retrouve quoi sur sa tenue? Il y a du blanc, il y a du noir, un peu de jaune. C'est du jaune, ça. Ouais, c'est du jaune. Ok, alors, donc déjà, le véhicule est pas mal, plutôt sympathique. Donc, ce qui est bien, c'est que j'aime bien regarder, il y a un tout petit peu de jaune sur sa tenue, et on les retrouve sur la roue, le Fucarou. Je sais pas si c'est du jaune, mais on retrouve également ici. Le jaune, les gars. Attends, je crois que c'est pas du jaune, le Fucaro, c'est du rouge, quoi. Non, c'est du rouge. Ouais. On le retrouve ici, donc le petit, un peu de jaune qu'il y a. Et donc, c'est le Dubsta 6x6, les gars. Le Dubsta 6x6 qui est magnifique. Giuliano, le numéro 2. Si vous avez envie de voter pour lui, on va passer au troisième véhicule. The first is the first one. Alors, le troisième véhicule. Qui est. Nesra. Ok. Donc Nesra qui est parti sur un véhicule assez classique. Donc la Click Custom. Donc c'était le véhicule d'année dernière qui nous avait offert. Alors par contre, Nesra, j'ai pas compris. Pourquoi la tenue là? Ah, moi non plus j'ai pas compris. D'accord, ok. Alors la tenue ne va pas du tout avec le véhicule. Est-ce que c'est normal? Ouais, c'est parce que j'ai pas pris la bonne tenue en fait. Ah, bah il s'est trompé de tenue, c'est pas bien ça. T'aurais pu mettre aussi la nouvelle, regarde. Je t'aurais peut-être donné des points si tu mettais le masque là, le bonnet là. Tu l'as récupéré le bonnet là, le tout nouveau? Ah, le Grouch, non. Le bonnet de Noël. Non, le bonnet de Noël qui est sur la tête là. Ah, le bonnet de Noël, non, pas du tout non plus. Ah ouais? Tu t'es pas connecté entre temps? Non. Ok, et eh bien écoutez, pas mal, sympathique, j'aime bien le véhicule, donc c'est le numéro 3, mais par contre ça va pas avec la tenue, donc à vous de voir si vous votez pour le numéro 3 ou pas, mais c'est un beau véhicule quand même. On passe au prochain, c'est Quarter.
Porteur qui portera le numéro 4, et bien qui nous a choisi également le même véhicule que son prédécesseur Nesra. Et là, cette fois-ci, on retrouve les couleurs, on retrouve les coucous, et ça, c'est bien. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a qui va avec? Alors, déjà, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Là, je vais pas vous mentir que j'aime beaucoup ce petit véhicule et cette tenue qui vont très très bien ensemble, forcément. Magnifique, franchement, ça va bien. Hein. Franchement, c'est pas mal. Alors, on a les chaussures en or, je sais pas si vous avez remarqué, donc qui vont avec l'or qu'on a ici. Ok, pas mal. Les gants blancs, bah pareil, on retrouve du blanc avec les flocons. On retrouve également le vert qu'il a sur sa tenue en bas et aussi en haut. Et le rouge, la petite bande rouge, ça représente la bande rouge ici. Par contre, les jantes en noir, je vois pas de noir sur son véhicule. Bah, Peut-être mon les cou, il est noir. ouais, son cou et les yeux. Ok, ouais, c'est léger, c'est léger. Mais pour l'instant, c'est pas mal. J'aime beaucoup ce numéro 4. Hein. Et on va passer au numéro 5, les gars. Numéro 5 qui est Nitro Kilos. Ok. Oh. Shit. Nitro Kilos qui nous a mis une custom de Noël également. Plutôt sympathique. Alors, je sais pas c'est quoi comme couleur exactement. C'est pas un. C'est quoi comme couleur que t'as mis là? Franchement, je sais pas du tout. C'est un bleu, mais lequel, je crois pas te dire. C'est les nouvelles, celle-là. Ouais, je crois que c'est une nouvelle couleur. Ok. Alors, la tenue de bonhomme de neige. Ok. Qui, du coup, ne va pas du tout avec le véhicule. Mais bon. C'est le thème de Noël. Donc voilà, c'est son véhicule qu'il a choisi. Donc, je sais plus c'est lequel. Celui-là, c'est le. Comment il s'appelle celui-là La déjà? PC. L'APC, voilà. APC. Donc, l'APC, plutôt pas mal. Après, la tenue ne va pas avec. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est sympathique. J'aime beaucoup. Ça fait bizarre de voir un véhicule militaire. Comme ça, donc ça sera le numéro 5, c'est ça? Ouais, c'est le numéro 5. Et on passe à Slade. Alors, Slade qui nous a choisi également un très très beau véhicule, magnifique. Il me semble que c'est la toute dernière celle-là. C'est pas la dernière, c'est laquelle? C'est 300R, non? Non, c'est Karine S95. S95, excusez-moi, j'ai confondu effectivement. Alors, ça me pas mal. Alors, la S95 et la tenue de Noël qui nous a choisi, c'est celui-ci. Alors, j'ai pas compris les lunettes. Pourquoi avoir mis ces lunettes? Parce que ça allait avec la voiture, etc. Et les couleurs et tout. À part peut-être le bleu. Alors, le rouge. On a du rouge et du blanc. Donc, on retrouve ici, ouais, le rouge et blanc. Donc, ça, c'est bien. Par contre, le vert, est-ce qu'il a mis les jantes en vert? Ouais, ouais c'est bon, il a mis les jantes en vert. Et par contre, les lunettes à enlever peut-être. Les lunettes à enlever, mais ce qui est bien, regardez, c'est que son bonnet, regardez, la boule là, elle est verte. Et ça va bien avec la tenue. Ok, pas mal. Ça coïncide avec, bah forcément, ça correspond plutôt bien avec ton véhicule, donc c'est plutôt sympa. Donc c'est numéro 6, si vous voulez voter. Et on passe au septième véhicule. Alors, le septième véhicule, qui est-ce? Oh! Ah oui, ça c'est beau ça. Plutôt sympathique ce véhicule. Magnifique. Donc, véhicule, je rappelle le thème c'est Noël. Et là, honnêtement, je suis plutôt satisfait de ce véhicule. Très, très, très beau. Très beau choix, très risqué. Et du coup, bah forcément, la tenue de Père Noël qui va très, très bien avec sa tenue. Donc on a aussi les chaussures Converse rouges et blanches bah, qui vont avec la tenue, les gants. Il y a un peu de tout quoi. Et on a aussi le petit jaune. Regardez le jaune qu'on retrouve sur les jantes et qu'on retrouve sur la ceinture. Donc, pour l'instant sympathique, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce véhicule. Donc je vais le. Bah, il est pas mal, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc ce sera le numéro 7 si jamais vous avez envie de voter pour lui. Et du coup, on passe au dernier véhicule. C'est JR. Attention. Oh là 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 là, JR. Qu'est-ce que tu nous as fait, JR? Donc, JR, en fait, qui. Tu sais quoi? T'as les cadeaux de Noël sur le. C'est ça?
Sur le toit? Ouais, j'ai plein de vêtements pour toi. T'es toujours en caleçon. Voilà, il m'a acheté des vêtements. Alors la tenue forcément, la panto qui va avec, bah, qui va avec la tenue. Ça y a rien à dire là-dessus. Bon, par contre, la panto, voilà quoi. Je vais dire, t'aurais pu faire quand même un meilleur choix, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh ben écoutez, je pense que vous pouvez. Bon, on va aller les voir. Hein. On va aller les voir. Je vais choisir mes deux préférés. Alors mes deux préférés, ça sera Mervaneux, le numéro 7, et le numéro 4, c'est Quarter, il me semble. Ouais, c'est moi. Allez-y, vous pouvez venir en dessous du sapin. Je vous attends. C'est plutôt sympathique, j'aime beaucoup les deux là. En fait, ça me fait bizarre de voir les auteurs rester là-bas, les gars. Alors, ouais, du coup, ça me fait bizarre de voir la clique en vert, parce que d'habitude, les gens la mettent tous en rouge. Et du coup là ça fait un peu bizarre, mais très 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 beau véhicule, très très beau véhicule. Alors c'est compliqué de choisir, hein. C'est compliqué de choisir, honnêtement je sais pas. Voilà, moi mes deux préférés c'est le 4 ou le 7, à vous de voter. Je vais même pas choisir en vrai parce que les deux j'aime bien. 4 ou 7, vous préférez lesquels les gars, ceux qui sont éliminés du coup, entre le 4 ou le 7? Donc je rappelle, le 4 c'est Quarter et le 7 c'est Merveilleux. Moi j'aime bien Bah les deux, je dirais. mettez-vous à côté de celui que vous préférez, comme ça on voit. Nirvana, en fait, on dirait ces sorties d'échappement, c'est des bois de Rennes, tu vois, ça fait Noël. Ouais, c'était fait exprès, ouais. Ah ouais, j'avais pas remarqué. Ah, t'as pas remarqué. Et le bouclier d'as, c'était pour la charrette du Père Noël. Ah ouais, Merveilleux quand même, ça. C'est dur, hein. C'est dur ici, mais c'est vrai que Merveilleux, c'est pas mal aussi, hein. Donc il y a 3, 3, 4. 4 et 3 ici. Ok. Et là-bas, il n'a pas choisi. Il dort. Ok. Et bien, à vous de choisir dans les commentaires. Sur ce, on se salue. Ciao, ciao.